Donc bienvenue sur le Nintendo Direct mini en français bien évidemment, il dure 8 minutes 13 donc vraiment tout petit moins de 10 minutes alors que Nintendo avait dit 10 minutes et bien pas de nouveaux jeux, pas de nouveaux trailers, ce sont des jeux déjà annoncés, des éditeurs tiers et c'est parti, ouais de 8 minutes c'est vraiment tout petit hein, donc savourez chacune des annonces, hein. C'est parti. 16. C'est pas la taille qui compte, oui c'est pas faux. Veuillez noter qu'en raison de l'épidémie, des dates et informations présentées au cours de cette vidéo sont susceptibles de changer. Ah, vous pouvez pas modifier avant. Pour vous tenir informé d'éventuelles modifications, veuillez consulter le site et les comptes officiels de Nintendo. Pardon. Donc pas de jeu Nintendo, notez bien. Allez. C'est un nouveau format. Hein. Ça c'est cool. Du petit contenu pour un petit jeu indé. Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Now with 3 additional DLC packs. Pack 1, character pack. Excellent jeu indé si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs. Impa excels in ranged attacks with the Naginata. Take one hit or miss a beat with Aria, and it's game over. With these characters, you can take your musical journey for a new spin. Pack 2, Melody Pack. 39 songs will be added, including remixed versions of the game's background music. Cooler! You can change the background music at any time so you can listen to your favorite ça, songs cool. While en vrai, ce jeu est vraiment très très bon si vous l'avez pas fait. Pack 3, additional story content, Symphony of the Mask. Play as the mysterious Skull Kid and venture through a brand new map, complete with new songs and a new story. Plus, he has the power to change abilities based on the masks he dons. What awaits Skull Kid in these strange lands? DLC Pack 1, Character Pack. Ok, DLC payant, bah au final c'est logique, c'est un jeu indé, ça me donne pas. The second and third DLC packs to be released before the end of October. A season pass containing all three paid DLC packs will. Bon, bien évidemment, nous on le prendra parce que bah parce que voilà. Merci à ceux qui reçoivent, merci beaucoup. And for those who've never stepped to Hyrule's beatles génial, before, ce petit jeu indé, franchement, ils mettent le paquet, donc c'est vraiment chouette. All the DLC launches October 23rd. C'est très chouette. Save the day and look stylish while you're at it in Rogue Company. Ah, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu celui-là. Excellent. J'avais grave envie d'y jouer quand j'avais vu la première fois en plus. A new rogue is infiltrating the battlefield. Lay waste to your opponents with an arsenal of weapons and abilities in this online multiplayer third-person shooter. Clash with other players in competitive and casual game modes, or rise to the challenge against AI opponents. Cadence of Hyrule devrait sortir en boîte, ouais. If you fall in battle, your teammates can revive you, letting you immediately jump back into the fray. Cross-platform play and cross-progression are also supported from day one. Cool. Along with support for motion-controlled aiming. Be on the lookout for lots of content, including maps, skins, rogues, and more. Stay tuned for more information later today about Rogue ça Company. Va être chouette, ça. Brawl without limits in WWE 2K Battleground. S'il est mieux que le précédent, je dis pas non. Here we go, here we go. Go. Ah oui, d'accord, c'est un comme ça, ok. Ah oui, c'est un Battleground. Welcome to WWE Action 3. 2, 1, here we go! That's what I'm talking about! En vrai, entre potes, ça peut être très cool. Nous qui nous plaignons qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux en coop local où on peut se taper dessus, en vrai c'est cool. C'est pas oufissime. Mais franchement, entre potes, enfin un petit truc qu'on peut faire à plusieurs sur un écran partagé. Merci beaucoup pour ton sabre.
I want a rematch. WWE 2K Battlegrounds, Brawl Without Limits. Get it today. How non, moi je dis why not, hein. This next one will be our last announcement. Ah déjà? Bah oui, déjà. Ah bah attends, 4 minutes pour une annonce? Attends, c'est le Persona... C'est le Persona? Attends, mais c'est forcément un truc qui nous... Attends, c'est le Persona Battle Royale? Pas Battle Royale, mais en Mousu, non? Ouais, ça doit être le Persona en Mousu qui nous avait parlé, non? Pas du tout. C'est Shin Megami? A world that loses its power. Ah, c'est Shin Megami, ça. Fade into nothing. Instead, sachant que je n'ai jamais fait aucun Shin Megami. On n'arrête pas de me dire de faire. Or should I say, Timmy? C'est pas possible, il reste 4 minutes, c'est pas leur dernier. Demons. Regarde. This place is crawling. Attends, attends, on va pas se spoiler. You have done very well in keeping yourself alive. The world will fall for its sins, and everyone living will vanish. Will you tell me who you are? Tokyo died, and I was given life. Alors je peux pas me hyper là-dessus parce que je connais pas cette licence, donc je sais qu'il y en a qui vont surkiffer. Je connais pas la licence, je le reconnais. Je suis curieux de découvrir avec papa, à la sortie. Merci pour vos ressentiments. Nanji no ishi ni shitanai. Nanji no michi wo shimesu ga yoi. That's all for today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Thank you for watching. Please look forward to more Partner Showcase presentations coming this year. D'accord. Alors, on va débriefer rapidement. On va débriefer rapidement, vraiment. Alors, j'ai quand même un truc à dire. J'ai quand même... Ok, c'est la fin. Alors, disons que on s'attendait à rien, parce que c'était un petit, parce que c'était des trucs d'éditeurs tiers, mais... ils nous ont présenté 3 jeux au final. Je me disais qu'au moins en 8 minutes ou 10 minutes, ils pourraient nous présenter genre une bande-annonce de Crysis, une bande-annonce de Doom Eternal, une bande-annonce de plusieurs jeux d'éditeurs tiers. En vrai, je m'attendais pas forcément à grand-chose, mais je dois reconnaître que... je dois reconnaître que je suis un petit peu resté sur ma faim, parce que je m'attendais à davantage de choses... Là, j'avoue que je comprends pas en fait. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Évidemment qu'on n'aurait pas eu de Mario, de les Zelda, parce que je l'avais dit au début, pas de jeu Nintendo. Mais j'avoue que là, je suis quand même content de ça. Je suis quand même content de ça. Ça, c'est très cool. Mais au-delà de ça, ils nous ont parlé de 3 jeux. Alors bon,
Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, puisqu'on va avoir la rediffusion, bien sûr, sur YouTube. Quoi qu'il en soit, eh bien, si vous êtes sur le stream avec moi, ne bougez pas, parce que ce stream continue, mais si vous êtes sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air sous ma vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct Mini, bien évidemment.